quel plaisir de revenir ici, déjà parce que ça nous a manqué très longtemps, parce que ça nous a manqué très souvent, et parce que lors de notre dernière venue ici à La Mosson, chacun s'en souvient bien entendu comme si c'était hier et comme un excellent souvenir. C'était pour la victoire initiale cette saison, pour la première à domicile à La Mosson, de l'équipe de Michel Derzakarian, un match fantastique contre les Niçois, et bien entendu, qui en appelle un autre du même tonneau. Bonsoir chers amis, j'en ai une bonne et surtout elle est très originale. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est du moins le point de vue de Michel Derzakarian depuis la victoire face à Nice. Il présente ce soir au coup d'envoi contre l'OL exactement le même 11 de départ. Omlin dans le but, Arnaud Souquet couloir droit, Liraj Nuristić à gauche, l'axe de la défense à 3 bien sûr, Vitorino Hilton, le co-meilleur buteur Daniel Congrès. Et Mendes, bien sûr, Pedro Mendes, j'allais l'oublier. Les trois milieux de terrain sont les mêmes que samedi. Il y aura donc le Talek, Ferry et l'immensissime TJ Savagnier à qui l'on souhaitera une aussi bonne partie pour alimenter Gaëtan Laborde et Andy Delors qui seront associés à la pointe de l'attaque. Coup d'envoi. Vous jouez à Angers avant de tenter l'aventure en Espagne et d'être recruté au mercato hivernal par les Lyonnais. Attention, perte de balle de Savagnier, l'arbitre ne dit rien. Attention, une situation dangereuse pour les Lyonnais. Favorable avec le centre tendu. Ah, c'est la barre qui sort de Montpellier, mes amis, nous sommes vermis. Nous sommes vermis, le centre tire. Nos joueurs qui n'ont pas perdu la balle pour autant. Très belle relance d'Hilton dans les pieds de Ristić qui réussit un magnifique contrôle au centre. Superbe. Eh oui, la tête magnifique au-dessus. Au-dessus, la tête de Laborde. Tantara dans les 10 balles. Et le centre de Souquet pour la reprise peut-être. La tête. Ah, oh, c'est Movilier au point là. Ah, Coco. Qu'est-ce qu'on est loin. Oh là 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 là. Je ne le crois pas. La plus nette occasion de but pour les Montpellierains depuis le début de la partie. Le centre pour la tête de TJ. Oh, dans le dos, c'est pas vrai. Penalty, ouais. Penalty, quelle faute. Allez, le coup de sifflet, la prise de foulée des là. La Panenka. La Panenka. TJ Savagnier. 11, la Panenka.
et Lopez s'effondre au sol. Le ballon arrive comme un ballon de baudruche dans le but. But de Tejus Savagnier. Eh ben, il n'a pas froid, hein. Il n'a pas peur, Tejus. À la 38e minute, Savagnier. Le poids de sa décision, monsieur le Texier, la vision est rouge. Rouge à Awa. Carton rouge à Oussama Awa. Oh là là, alors là c'est un tournant du match. Et Denayer va prendre le brassard. Alors les images ont parlé. Ferry, on garde le ballon, on joue à la passe à 10. Ferry, voilà, il a compris monsieur le Texier. On cherchait la fin de la première mi-temps. Et l'arbitre du match renvoie les acteurs au vestiaire. Chers amis, nous menons 1-0. Eh bien c'est très bien, c'est même très très bien de mener 1-0. Il a fallu pour cela un pénalty. D'accord, les Lyonnais se sont montrés solides, très souvent en possession du ballon. La possession lyonnaise, je pense, sera très, très grande par rapport à celle des Montpellierains durant cette première mi-temps. Mais voilà, des faits de jeu ont fait changer le sens du vent parce que les Lyonnais ont pris un carton jaune avec Guimaraes, un autre à Toko Ekambi il y a quelques instants, et puis un jaune qui s'est transformé en rouge pour l'international Oussem Aouar. Trois cartons, donc, ou quatre si vous préférez, pour les Lyonnais. Un seul pour Andy Delors. Des Lyonnais qui ne sont pas contents du tout. Rudy Garcia qui est allé essayer d'approcher les arbitres parce qu'il crie à l'injustice. Mais nous menons 1-0. Allez, on n'a pas mérité la bouteille d'eau. Hein. À tout à l'heure les amis, dans un quart d'heure, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Malheureusement, heureusement que Mendes veille derrière parce qu'il est venu devancer Depay et nous sommes bien repartis là. Je pense qu'on est en train de passer une bonne période. Allez, TJ, la frappe, le but. But de Denis Savagnier. Oh, Savagnier. Oh, quel but de Denis Savagnier. Magnifique. Sur le centre, la fête de corps de la mort de TJ. Contrôle du pied droit. Frappe instantanée du pied gauche. Deuxième but de Denis Savagnier. Il a poussé dans le but après. Alors, le corner, ça y est, on le tire. Attention. Au second poteau, la tête piquée. Ouais, l'intervention, ouais, l'angle mort, pas mal. Voilà une précieuse intervention d'Omni, puisqu'il a son masque de protection. Attention à Depay, il va chercher la lucarne. Oh, la parade. Oh, le plongeon d'Omni. Eh bien, il fallait ça pour que le public montpelliérain adopte définitivement le successeur de Rouli. C'est pas la faute de main d'Hilton au sol, mais c'est sa jambe levée qui a heurté le genou. Et rouge à Hilton. Oh là là, c'est inouï. Carton rouge à Hilton. Alors là, mes amis, il faudrait regarder dans le curriculum vitae de Vito, mais je suis pas sûr qu'il ait pris beaucoup de cartons rouges dans sa carrière. Allez, on s'accroche. C'est la dernière, le dernier coup de rein, les enfants. Accrochez-vous, bonsoir. Oblige au dégagement, va s'enfermer au coin là-bas, c'est fini, yes, c'est fini, victoire du Montpellier. Oh, nous sommes cinquième ce soir, grâce à cette victoire, Jérémy, mon fidèle compagnon me le signifie, nous sommes cinquième de la Ligue 1 ce soir, grâce à ce succès de Musel, laborieux par moment, tellement brillant par d'autres, grâce à l'étincelant TJ Savagnier, mais grâce à un mental d'acier collectif qui méritait bien, au bout, quand même, de remporter ce match. 2-1, victoire de Montpellier. Après la victoire contre Nice, la passe de 3 serait historique, mais elle est toujours d'actualité, potentiellement. Nous voici donc, grâce à ces 2 buts marqués par Savagnier ce soir, 5e de la Ligue 1, notre calendrier est à jour. D'autres vont le mettre à jour tout au long de cette semaine, les Parisiens entre autres. Mais ma foi, nous pouvons être fiers de nos joueurs
et nous pouvons être fiers de la saison. Des fois, il fait zig-zig, ça. Je... 3. je crois que Vito, il a un mot à dire. Je suis là. Zig-zag, 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 zig-zag.